Octobre 2015, dans les vignobles de Monsieur Lafargue à Marcellus, nous vous présentons un pulvérisateur G-porté double turbine à rotation inversée voûte droite. Ce pulvérisateur est équipé d'un timon articulé qui lui permet d'assurer le suivi du tracteur. Tous nos pulvérisateurs sont fournis avec le kit environnemental lavage à la parcelle pour permettre à l'utilisateur de laver son pulvérisateur dans le champ. La canne aspirante complète ce kit environnemental. Elle permet de charger le pulvérisateur de poudre ou de produits liquides sans avoir à monter la charge sur le réservoir et également à rendre le mélange très homogène. Ce pulvérisateur est d'une capacité de 1200 litres tractés. Il est disponible du 200 litres au 1000 litres portés et du 300 litres au 5000 litres tractés. Nous sommes les seuls à proposer un pulvérisateur voûte droite à double turbine inversée. L'avantage de ces doubles turbines est qu'il y a deux volumes d'air qui s'additionnent et se corrigent, ce qui évite l'effet de turbine que l'on a avec les simples hélices. Notre version voûte droite, en simple turbine diamètre 830 ou en double turbine à rotations inversées, profite d'un déflecteur mobile pour choisir l'angle d'attaque par rapport au rang de vigne palissé. Et ce matériel double turbine voûte droite se complète par un déflecteur mobile également supérieur, équipé de G, pour assurer un complément sur les autres rangs. Puisque ce matériel est adapté pour traiter deux rangs de vignes de 2 à 3 mètres, voire 3,50 m que l'on retrouve dans l'entre-deux-mers girondin. Ces types de voûte droite, en simple en double turbine, sont équipés d'un ensemble ventilation inoxydable. Deux vitesses de ventilation débrayables complètent ce matériel. Les rampes de jet, placées sur des tubes inoxydables, sont placées à l'avant des sorties d'air pour ne pas troubler ce volume d'air sortant, en éviter la salissure des portes jet. L'accessibilité est beaucoup plus facile puisqu'ils sont obturables à deux débits différents. Et également particulièrement adapté pour pouvoir être utilisé avec des buses anti-dérive.